Madame, monsieur, bonsoir, ou bien l'OMBC pour l'information créole. À nous, quelques titres qui nous pour développer dans sa zone-là. 21 ans d'autonomie et le gouvernement central encore plus déterminé pour maintenir le développement dans Rodrigue. Un engagement quand le budget pour Rodrigue qui augmenté 2,7 milliards roupies pour l'année financière 2015-2016, qui passe 5,2 milliards en 2023-2024, propos Pravin Kumar Jagnat, qui est également ministre Rodrigue Duty Free Paradise Company, qui fait partie de l'institution qui finit dans une importance capitale dans le développement Rodrigue. C'est le gouvernement satisfait, en man profit, qui sa l'institution même faire, man Mauricien qui est bloqué dans Israël. Je te pérante, Maurice, à partir samedi, alors qui nous man concitoyens de foi Bahaï, peut continuer, je te pèlerinage dans l'Aisne, alors qu'elle partie, pérante, Maurice. Nous pouvons nous découvrir un projet, premier ordinateur, et redonner la vidéo. La NASA dévoile contenu et échantillon astéroïde Bennu. Aujourd'hui, Rodrigue Chauffette pensait à tout le monde qui peut œuvrer pour que la vie existe. Lors de la célébration 21e anniversaire de l'autonomie de Rodrigue, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat fit souligner l'importance qui préserve la synergie entre le gouvernement central et l'Assemblée régionale, faisant de Rodrigue une bonne priorité. Ban autorité, il fait également cause de la somme de 5,2 millions de roupies dans le dernier budget pour améliorer davantage ban infrastructure dans Rodrigue. Pendant célébration du 21e anniversaire de l'autonomie de Rodrigue, Premier ministre Pravin Kumar Jagnat souligne l'importance pour préserver la synergie entre le gouvernement central et l'Assemblée régionale, faisant de Rodrigue une de ban priorité de ban l'autorité. L'IFIN également cause la somme de 5,2 milliards de roupies dans le dernier budget pour améliorer davantage ban infrastructure dans Rodrigue. Rodrigue il reste une priorité parmi vos ban priorités en tant que Premier ministre et ministre responsable pour Rodrigue. Pendant célébration du 21e anniversaire de l'autonomie de Rodrigue, Premier ministre Pravin Kumar Jagnat souligne l'importance pour préserver la synergie entre le gouvernement central et l'Assemblée régionale, faisant de Rodrigue une de ban priorité de ban l'autorité. L'IFIN également cause la somme de 5,2 milliards de roupies dans le dernier budget pour améliorer davantage ban infrastructure dans Rodrigue. Rodrigue, il reste une priorité parmi vos bonnes priorités en tant que Premier ministre et ministre responsable pour Rodrigue. D'ailleurs, les faits sont là. L'exemple qu'ils sont capables de donner dans le budget que le gouvernement a alloué à l'Assemblée régionale de Rodrigue a augmenté de 2,7 milliards de roupies en 2015-2016, ouvine à presque 5,2 milliards de roupies en 2023-2024. Beaucoup fin faire ces dernières années pour améliorer davantage l'infrastructure publique et la facilité dans différentes localités. Et ça va nous poser là, les financer à partir du budget qui est alloué AAE par le gouvernement central chaque année. De plus, Premier ministre Finkos l'a seul engagement pour résoudre le problème des lots avec sa financement sans précédent d'un milliard de roupies de la MIC. Et pour adresser sa situation-là, dans le budget 2022-2023, nous avons annoncé qu'il pourrait un investissement de 1 milliard de roupies de la MIC. Pourquoi nous tous capables de constater que jamais aucun gouvernement dans le passé n'a pas fini de mettre autant d'argent sur la table pour adresser ce problème d'îlot dans Rodrigue. 1 milliard de roupies. Et pourquoi nous sommes capables de conclure de mots sincérité pour nous essayer de faire tout pour nous adresser problème de l'eau dans Rodrigue.
Le soutien à l'industrie touristique fin confirmé avec le maintien de ban subside lo ban billet d'avion jusqu'en septembre 2024, dira le chef du gouvernement. Bon, besoin faire ressortir qui pour soutenir la reprise au niveau touristique dans Rodrigue, le gouvernement fin maintenir subside lo billet d'avion et subside le Special Rodrigue Holiday Package. Et ça finit étendre jusqu'à septembre 2024. Nous finissons allouer 110 millions de roupies dans le budget 2023-2024 uniquement pour ces deux items-là. Apporte l'achat d'un nouvel ATR pour améliorer la connexion entre les deux îles. Premier ministre fin annonce la mise en opération d'un nouveau navire prochainement. Pour conclure, Pravin Kumar Jagnauth fin réitère soutien à ce gouvernement pour que Rodrigue entame cette nouvelle phase de développement dans les meilleures conditions possibles. Un nouveau ATR 72-600 pour desservir destination Maurice Rodrigue à partir fin novembre annonce que le Premier ministre et le ministre de Rodrigue, Pravin Kumar Jagnauth fin faire cet investissement-là. Selon le chef du gouvernement, inscrire dans le cas d'extension la piste aéroport Plein Corail et les autres projets de développement importants pour l'île comme l'agrandissement Cotton Bay Hotel. Déclaration dans le cadre d'une célébration grandiose pour commémorer 20 ans d'opération Airport South Rodrigues Limited et la Rodrigue Duty Free Paradise Company Limited hier soir dans l'hôtel des Cocotiers en présence d'un invité de marque dont le premier ministre Pravin Kumar Jagnauth et le chef commissaire Johnson Rusty. Dans célébration 20 ans, l'entrée en opération Airports of Rodrigues Limited et Rodrigues Duty Free Company Limited, Premier ministre Ingay en Lakey saléré au rythme Sega Tambour, un véritable trésor patrimoine local. C'est une occasion pour Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth souligne l'importance à ban institution là dans développement Rodrigue. L'IFIN exprime sa satisfaction, le profit qui Rodrigue Duty Free fin réalisé et qui fin aussi contribuer pour créer travail. Quand nous avons une performance de RDFP, surtout durant la dernière année, nous avons de quoi être fiers. Bon, fin apprendre. Et il est bon qu'ils m'ont annoncé en primeur que pour l'exercice financier 2022-2023, RDFP finit enregistrer un chiffre d'affaires d'environ 475 millions de roupies. Compte seulement en 2014 un chiffre d'affaires de 68 millions de roupies. Et bon profit! 2022-2023, fin atteint 120 millions de roupies, compte ban profit en 2014 de 7,7 millions de roupies seulement. Chef gouvernement fin aussi annoncé qu'il y a une grande avancée dans le secteur de l'aviation avec acquisition par Air Mauritius un nouveau ATR 72-600, une initiative qui est un investissement important pour renforcer la connectivité aérienne. Nous avons le plaisir pour annoncer aussi qu'au niveau connexion aérienne entre Rodrigue et Maurice, nous avons un nouveau ATR 72-600 qui Air Mauritius vient commander et ça pour entrer en service à partir vers fin novembre. Pourquoi fin novembre, ça pour entrer en service. Concernant nouveau Lapis, le chef commissaire Ndia Kiban. Gros porteur qui est capable d'atterrir, sa collaboration qui nous est dans le gouvernement central, l'Assemblée régionale, nous continuer, au contraire, nous besoin consolider encore plus. Chef commissaire Johnson Rusty, de son côté, fin lance un appel à ban employé pour qu'ils se préposent pour accueillir plus passagers dans Rodrigue. Quant à président Airports of Rodrigues Limited, Dave Picari, les fin cause l'eau des décennies réussite et innovation dans le secteur aéroportuaire.
La soirée fut aussi marquée par remise de trophées à une vingtaine d'employés Airports of Rodrigues et Rodrigues Duty Free Company Limited. Tiena aussi au programme une performance Sega traditionnelle Rodrigues exécutée par le groupe La Flamme des Îles. À nous causer à Ban Mauricien, bloqué dans Bethléem et en Israël, délégation Ban Pèlerin Mauricien, dirigée par Pierre Mongelor, fin arrive en Jordanie à Zodi, après-midi, un petit pérant Maurice samedi, alors qu'il nous Ban compatriote du foi Bahaï, qui tient en Israël, peut continuer notre pèlerinage en Inde, tandis qu'il y a un petit peut retourner. 36 pèlerins mauriciens qui finent bloqués dans Bethléem finent arrivent dans Jordanie à Zodi tantôt. Je dis à qui c'est correct, nous apprenons que l'évêché qui s'abat mauricien là pour prendre l'avion depuis l'aéroport Ankara d'Antiaki pour l'Istanbul dimanche matin. Retour vers Maurice pour faire en déportie. Premier groupe peut quitter Istanbul dans la nuit de vendredi à samedi pour arriver Maurice même jour. Et deuxième groupe pour faire traser Istanbul-Maurice le 16 octobre. Père Mongelor fin dit à Ban Mamb l'évêché que la route est longue, mais ils sont en sécurité et que fin bien accueillir eux dans Jordanie. Quant à groupe foi Bahaï, qui tient dans région Haïfa dans Nord, Israël, Ena fin prend l'avion pour l'Aine et que Ban les autres pour rentrer Maurice après qu'ils ont fin passeport Dubaï. Dans l'après-midi, un peu plus tard, puis dans Ban les autres pèlerins qui quittent Israël pour Maurice directement. Et ça fait 10 pèlerins qui quittent Israël aujourd'hui. Bizakone qui ban mauricien qui t'y bloqué dans Bethléem t'y supposé rentre Maurice à Zodi Zedi mais ban vol fin cancel à cause ban bombardement qui fin ena près de l'aéroport Tel Aviv et qui fin fausse plusieurs compagnies aériennes cancel ban vol. Beaucoup étrangers bloqués en Israël et dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre qui a commencé samedi par une attaque sanglante lancée par Hamas. Certains pays, comme la France, ils entament une opération rapatriement. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui arrive à Zizila, dans Tel Aviv, en signe de solidarité avec Israël. Et un communiqué, le MSM prend connaissance de certaines publications, les réseaux sociaux et relayés par messagerie électronique qui visent à manipuler l'opinion. Ban auteur de sa publication désespérée là, sont étroitement liés à Ban parti l'opposition qui fin lance une tâche tentative vise à faire croire que MSM est déjà au courant jugement Privy Council quant à la pétition de Souren Dayal. Le MSM invite Ban individu à ressaisir à eux-mêmes et faire preuve un minimum respect pour l'institution qu'est le Privy Council. Dans New Delhi, le speaker de l'Assemblée nationale, Sourjdeh Fokir, finit intervenir dans Live Forum en prélude sommet du G20 destiné à un président parlement. Sommet qui finit démarrer, qui pour démarrer demain 13 octobre. Le speaker finit appel ban participants pour construire un avenir que ban choix reflète un profond respect pour l'équilibre de la nature, garantir une vie dynamique et durable à ban génération qui vient venir. Groupe réfugiés Sagos qui fait face à la presse aujourd'hui, côté son président Olivier Bancoul, fait une présence au bilan récent visite dans l'Amérique, qu'il est qualifié de satisfaisant, visite qui fait à l'actualité plusieurs agences médiatiques internationales. Ekfaré, deuxième édition de l'Agriculture Science Exchange Forum, qui fin faire dans réduit, un forum de deux jours organisé par Faré qui réunit ban acteurs, secteurs agricoles avec pour thème transformer les systèmes agroalimentaires par la recherche et l'innovation pour la résilience. Objectif, faire le point de ban recherche en cours et développer ban technique agricole comme smart agriculture, ban pratique et ban innovation qui aide à contrer ban effet changement climatique et préserve l'environnement tout en assurant sécurité alimentaire. Nous sommes ensemble. Réunis ban professionnels secteur agricole d'un forum pour faire le point sur ban recherche et qu'avancer scientifique en cours pour améliorer ban opération de l'agro-industrie et qu'assurer la sécurité alimentaire. Thème qui ne retenir pour sa forum là, transforme ban système agroalimentaire pour la recherche et l'innovation pour la résilience.
Tout ça, man recherche qui nous fait là, il n'est pas reste à un niveau, mais nous propager pour que quand nous servissons à un résultat de man recherche là, nous capables d'améliorer la production. Nous avons un programme de recherche, l'introduction et développement de man variété, par exemple. Et quand nous servissons tout man technologie aussi, de la biotechnologie, pour qu'il nous capables de développer man variété qui est résistant au changement climatique. Présent à ce forum-là, ministre Vikram Adeyal, il cause l'urgence pour travailler en collaboration pour trouver une solution dans l'agro-industrie pour qu'il capable d'assurer la sécurité alimentaire. Nous, but, c'est que les agriculteurs se dirigent vers une nouvelle technologie et ça pour permettre qu'on nous cause food safety aussi, commence à investir dans un nouveau type d'agriculture, comme on cause smart agriculture et aussi au niveau organic farming aussi. Sa forum de deux jours-là lui marque aussi par l'activité en cours à Maurice dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation qui fait à chaque année les 16 octobre. À nous causer un projet, donner un nouveau avis et donner un nouveau avis dans le vieux ordinateur portable pour qu'ils aient été réutilisés dans le secteur comme à l'éducation PME. Une idée compagnie qui s'appelle Rio's Revamp qui a pour mission révolutionner la gestion des déchets électroniques. Nous. Hier, c'était peut-être ban élèves qui type service à ban laptop là. Demain, c'est ban PME qui est capable de pousser à vidi. Mais avant, c'est Christophe Legrand qui peut réparer zut et reconditionner zut. Dans ce laptop là, nous passons sur batterie, comme on explique. Ce lifetime est fini, donc ça nous outille batterie là. Once fini, nous passons sur hard disk, qui est un hard disk 2.5 pouces. Nous pouvons mettre un SSD. Nous avons des USB ports qui sont battés et nous laissons zut. Et aussi sur l'écran qui est ouvert, fermé, et un câble qui nous casse, donc nous remplace le câble display. L'économie circulaire, c'est un modèle de production et consommation qui implique entre autres réparation et réutilisation de matériaux et produits pour prolonger de la vie. Et que ça, l'initiative là, c'est donner un deuxième avis à sa bonne laptop là. Reduce Revamp, il y a vraiment, il trouve ça trois et là, c'est-à-dire reduce the waste. Et réutilisation et recycle. Donc la personne est capable le haut laptop utilisé, mais à la fin de vie, au lieu qu'il vienne un waste encore, nous recyclons. Au lieu qu'il nous vende un laptop là, nous mettons un système de rental. Si nous gardons dans la circulaire économie là, pour qui nous assurer qu'il, encore une fois, n'est pas venu un waste à la fin. Reuse, Revamp, pour présent dans la foire anti-gaspillage qui vous fait aller 14 et 15 octobre prochain dans l'enceinte de la municipalité de Quatre-Bornes, l'occasion pour ban mauricien pour venir découvrir the ban activité. À nous manquer une pause pub. Vous allez adorer la vie en mer grâce à notre large gamme de bateaux, pirogues et speedboats. Résiglas, l'adopter, c'est l'adorer. Nouvelle déo, la NASA a fait révéler mercredi 11 octobre dans les premières images échantillons d'astéroïdes qu'ils ont collectés dans l'espace ainsi que dans les premières analyses sur composition tout lisé par les scientifiques Pia Tansa. Nouvelle étoile astère, Banias, associée à un système frontal pibine en nos pays par le sud-ouest et pour influence nous l'étant soir. Dans la soirée, les temps pour correct, sauf que dans certains petits pays comme à l'ouest, le sud et plateau central, la mer pour faux en dehors récif, avec Man Houl, sorti d'eau, lui déconseillé, marée haute 23h55 et demain 12h21, marée basse 18h16 et demain 6h07, soleil pour lever 5h41. Merci au fin de suivre nous. Si vous ne pouvez pas sa table, bon appétit.